جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد Jamais je n'ai entendu parler qu'on les a donnés, qu'on les a nommés à des enfants. Jamais, auparavant. Et que maintenant, les gens commencent à le donner, et souvent, ce n'est pas dans le milieu de la science. Par exemple, Rasoul, Nabi. Et ces noms-là, ce sont, parce que ce sont des noms quand même qui relèvent d'une station spécifique. C'est-à-dire le fait qu'il soit l'envoyé. Parce que le fait que quelqu'un soit élu ou préféré, ou qu'il soit un digne de confiance, etc., ça c'est répandu. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses, des stations spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on peut l'hériter de lui. Ce sont des caractéristiques qu'on peut hériter de lui. Mais quant au fait d'être l'envoyé, d'être le messager, le prophète, quand même, voilà. Et ça, avant, on ne le voyait pas. Avant, on ne le voyait pas. À ma modeste connaissance, je ne connais aucun savant qui s'appelait Rasoul. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Et à ma modeste connaissance, je n'ai jamais connu quelqu'un qui s'appelait Nabi parmi les savants. Ni a donné son nom, soit le nom de son enfant, c'est le nom de ce type. Nabi, Rasoul, etc. Oui, parce que aussi il faut garder, il y a donc cette limite, c'est parce que on peut hériter, on peut c'est pour cela que quand on parle de quelqu'un qui a hérité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'est un mérite. Qui est un héritier mohammedien et un successeur ahmedien. Par exemple, on ne parle pas de ce qui relève de sa prophétie. C'est-à-dire que toutes les stations qui ne relèvent strictement que de la prophétie, c'est-à-dire que du fait qu'il soit l'envoyé d'Allah et qu'il soit messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça, on ne l'hérite pas. C'est une station qui relève de la risala ou de la nubuwa, c'est-à-dire donc de la prophétie relevant du fait qu'il soit un messager ou de la prophétie relevant qu'il soit un envoyé. Donc ça, il faut qu'on fasse attention par rapport à cela. Voilà. Et c'est pareil pour Cheikh Mtidjani, qui est Al-Qutb al-Maktoum et Al-Khatim al-Muhammad al-Ma'loum. C'est-à-dire cette 4 milliards, c'est-à-dire le fait qu'il soit Maktoum et qu'il soit Maktoum aussi, c'est strictement réservé à lui. On ne peut pas le dire à quelqu'un d'autre que lui. Voilà, que les gens aiment ou qu'ils n'aiment pas cette parole. Et c'est la vérité, tout simplement. Voilà, après, s'ils n'aiment pas, c'est pas grave. Mais c'est ça. C'est-à-dire que cette station-là est réservée à lui. Voilà. C'est lui le Sahib al-Khatmiya et c'est lui le Sahib al-Khatmiya. Voilà, c'est lui al-Maktoum. C'est strictement réservé à lui. Voilà. On ne peut pas dire que quelqu'un d'autre est Maktoum ou Maktoum. Voilà. Que voilà, maintenant. Allah nous préserve. Et avant aussi, on ne l'entendait pas. Avant aussi, cette parole, on ne l'entendait pas. Il y a que juste à peu près, on peut parler de 2 décennies qu'on a commencé à entendre cela. Mais sinon, avant, on ne disait jamais tel Al-Maktoum. Jamais. Avant. Oui, c'est vrai, non? Voilà. C'est maintenant qu'on commence à parler de ça. Et que c'est dans le langage populaire que les gens le disent. Et que maintenant, c'est comme si quelqu'un qui en parle, c'est comme si on va même peut-être aller jusqu'à le traiter de quelqu'un qui est un délégateur, qui est, etc. Mais non, il faut arrêter. C'est que quand on est dans le domaine de la science, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou.
On dit les choses comme il faut, tout simplement. Allah le présente. شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد.